donner de la raffinerie pour construire un prototype contre le blindé. Il faudrait l'essayer. Rejoins Théo aux coordonnées. Je reste avec Mario. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 9 sur Just Cause 3. Alors, l'épisode a été coupé un peu brusquement suite au crash du jeu. On va essayer de libérer un peu les environs. On a encore une province à libérer avant de pouvoir s'attaquer à la mission ici. On va essayer de libérer la province, ah, bon, on va essayer de faire tout le tour comme ça, on va remonter et on redescendra ici. On va pas directement la mission, on terminera par là, on va d'abord aller là. À contresens carrément. Ça c'est utile ça, parce que je crois que c'est une base militaire que j'avais libérée donc. Il y a personne qui a été fait un petit pilier buisson, non? Et ben on y va. Avec le blindé, c'est que c'est eux qui pèteront avant moi. Il y a un des soldats qu'on avait capturé qui s'est suicidé au jour. Je crois qu'il a eu peur qu'on lui fasse subir le même genre d'interrogatoire que l'armée. Le boutange. Aller dans un des garages de Mario, et n'importe quel véhicule en moins. On va faire mission 8. Quand j'étais gamin, on se promenait souvent en bateau sous la on s'est rempli de mines là-bas. Une fois qu'on aura écrasé son. Oh putain, ils ont tous tué. Qu'est-ce qui se passe avec les munitions, toi ? Ouais, Victor ! Bah non, pas Victor, ils sont morts. Wouah. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Répondez immédiatement ! J'ai pas réussi à faire le strike comme je voulais. Je sais bien qu'on est en pleine révolution. C'est pourquoi l'armée nous déteste autant. Ça serait pas mal de pouvoir se retrouver dans le temps. Ça fait un mois que j'ai pas dormi plus de 3 heures d'affilée. Ouais, c'est ça. L'armée l'a réduit, je pense. Parce que j'ai l'impression. C'est l'armée de
qui s'est enfui. Reprenez vos activités. Merde, tu es rebelle avec. Ah. Je suis moins sente, ok. Bah génial. Je te remercie, voilà.
fait des gommés comme ça. Suivant.
Désolé, hein, je le pique un peu, mais... Il arrive quand malheureusement on tombe malade. Bon, alors je suis là, donc plus à droite. C'est à peine si j'ai sué. Deux, une. Next. De Medici. La démolition d'Espia Alta s'est déroulée comme prévu. Pas la peine d'avoir l'air surpris. Ça fait des semaines que le programme est affiché à la station de la milice. Toute cette destruction. Mais c'est pour le bien de tous, pas vrai? On entretient le statu quo d'une nation stable et puissante. Ennemi en vue. À toutes les unités, rejoignez ces coordonnées. Missile centrale. La cible est toujours en cavale. Trouvez-la. C'est marrant à quel point sont sales les villes. À toutes les unités, trouvez le rebelle. Pourchassez-le sans relâche. Cible a quitté la zone. C'est
cette plage. Ça suffit. Foutu Medici ne se soumettra pas. Il est hors de question que les ficelles des autres nations continuent à nous manipuler et à nous faire défiler, symbole de leur... Il y avait des arbres. Belle là. La meilleure idée de la journée. Jour 860. Tandis que j'étais au téléphone, Deluca a fait irruption dans mon bureau écumant de rage. Il a évoqué tour à tour mon inefficacité en tant que commandant, sa supériorité et la façon pathétique que j'ai de choyer notre minable président.
Après 2 minutes de cette tirade, j'ai calmement levé un doigt pour le faire taire, repris ma conversation et promis au président Dante de le rappeler. Le visage de Deloca s'est immédiatement empourpré. Son destin est scellé. What? Oh. Je vais prendre ça. Jamais me jeter. C'est pas nous, ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y avait un grillage. La charmante bourgade de Vico Tuno n'est plus opprimée, mes amis. Si vous n'y avez plus mis les pieds depuis longtemps, c'est le moment de soutenir vos frères et sœurs fraîchement libérés. Ouais, je suis déjà arrivé. Ah, ok. Jour 912. Au cœur de la plus belle des campagnes, avec la dose parfaite de faste et d'apparat, le président m'a officiellement nommé général de brigade. Acte de violence signalé dans la zone. Appel à toutes les unités. Et voilà.
Royal. Vico Spigola est libre. On ne vous en voudra pas si vous gardez un morceau de la cellule de Ravello pour le revendre un jour sur Internet. On ne va pas cracher sur un peu d'argent. Répondez. Quelle est la situation? On l'a perdu? Répondez. Rico, on peut pas nier que ton amie Dima est une physicienne théorique absolument brillante. Mais tel que cet appareil est construit, il tiendra pas le choc. Ça marche très bien. Dis-moi, tu l'as pas testé au labo avec ton blindé? Oui, bon, on a dû lui emprunter quelques pièces pour faire ça. Alors on n'a pas pu faire de test. Donc, j'ai perdu un blindé de très grande valeur. Vaut mieux pas que je sois déçu, Théo. Tu peux me faire confiance. À moins que ça explose en nous tuant tous. Hé, hey, je t'entends. Dima, tu peux me dire de quoi il parle? Est-ce que ça peut exploser? Mais non, impossible! L'énergie se dissipera dès que l'appareil aura procédé au déploiement. Ça commencera par se dissiper. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Des essais. Contre de vrais blindés en marche. L'appareil n'a assez d'énergie que pour une seule... Une explosion. Ça ira! Merci, Dima. Pardon. Hé, hey, ton pote Sheldon s'est pointé à la planque. C'est un homme très dangereux. Il nous a dit où trouver des super blindés. Ah, tiens donc. Sacrée coïncidence. Sheldon est à fond dans les coïncidences ces derniers temps. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu crois qu'on a vraiment le choix? Allez! Rodriguez, va y avoir du grabuge. Pote Sheldon a des tas d'infos bien utiles. T'as des raisons de vouloir ta mort? C'est vraiment super d'avoir un type comme ça avec nous. Sheldon bosse pour Sheldon. Sans blague. Déjà. J'allais dire, c'est pas normal que ça finisse si vite. Sur ses gardes. Ce sont le piège à planer.
quoi? Oh, il se passait quoi là? Soldat, pas grave. J'ai libéré Zoning donc
On va faire un peu expulsé là. Quoi, qu'est-ce qu'il me fait lui? C'est inquiétant. Tu sais comment Diravelo a pu avoir l'info, Rodriguez? Moi, j'ai ma petite idée. Pas maintenant, Malika. Oh, du calme, mon petit pote. Bien, on en reparle plus tard. Pas mal. Vous avouez une certaine déception, monsieur Shelton. Oh, et si on en discutait un peu autour d'un verre, hein, Sebastiano, d'homme à homme. Je n'ai que faire des bavardages, monsieur Shelton. Il y a 20 ans de ça, nous devons passer un accord, vous ne respectez pas votre part. Comprenez ma déception. Bah, vous et l'oncle Sam aviez un accord. Vous et moi. On a fermé les yeux sur la façon dont vous traitez les citoyens et sur les sévices que vous avez fait subir à Dima Al-Masri, qui vous était prêté. Et moi, j'ai fermé les yeux sur Rico Rodriguez. Mais c'est fini. Dois-je vous rappeler notre accord, monsieur Sheldon? Je m'en souviens très bien, Sebastian. C'est moi qui gouverne Medici. Vous m'avez fait la promesse d'une alliance avec les États-Unis. Alliance aujourd'hui enterrée par le retour de l'enfant dont j'ai tué les parents pour vous. Un enfant qui vient ravager le pays sans vergogne, me faisant passer pour un imbécile aux yeux de mon peuple. Alors, Sebastiano... Croyez-vous vraiment que j'apprécie de passer pour un imbécile aux yeux de mon peuple? C'est vous qui lui avez expliqué comment détruire mes blindés. J'ai les yeux partout dans Medici, même dans cette misérable planque sombre et humide. Voilà. Et derrière. Que mes flammes ne puissent atteindre, monsieur Sheldon. Ouais, bon, là il est vraiment énervé.
Retournez à vos postes. Pour les bateaux, tu sais faire? Mario dit que t'es doué. Tu devrais essayer. Montre à Medici ce que tu vaux. Jolie vue. Oui, c'est vraiment magnifique. Suis les gaines des câbles. Ne me dis rien. Ils alimentent les armes de Diravello qui protègent la base. C'est exact. L'IEM au Bavarium a besoin d'énergie et de données. En sectionnant les câbles, tu stopperas son alimentation. Oh. Trouve leur point d'origine et détruis-le. Trop fastoche. On va voir où ça mène. Allez. Tiens, des tuyaux. Continue à suivre les tuyaux. Ces tuyaux vont conduire à un autre centre de contrôle pour super-armes. En toute logique, ça devrait neutraliser les armes IEM qui protègent Corda Dracon. Les rebelles devraient pouvoir prendre le contrôle de la base et de la région. On n'a pas de tuyaux, mais revoilà des bateaux. Ils doivent être sous l'eau.
Je vais t'ouvrir la porte. Juste une seconde. La porte est ouverte. Continue à suivre les tuyaux. Des collègues à toi, Dima? Bah, parce que tu trouves ça drôle, toi. La porte est verrouillée. Voyons ça. Ah oui. C'est fermé, mais un tunnel fait le tour. Alors, le tunnel. Pas trop dépaysé. Allez, je me mets au boulot. Oui, tu dois tout détruire. C'est ce que je sais faire de mieux. De Chimaleon. Encore bien joué, Eriko. Oh, une autre sortie. Sauver la planque parce que je pense qu'on va quand même se faire attaquer. Ça m'étonnerait que Diarvelo soit très content qu'on y ait fait passer pour un imbécile.
C'est lui, le vrai général. Ouais, ça va marcher. T'en fais pas, ton ami Mario va déjà mieux. Faut encore qu'il reste ici, par contre. Sheldon est censé être là. Ah, c'est sympa d'être passé, mon pote. Et ton chapeau? Pour faire court, je dirais Vélo sait où vous êtes, et il envoie une grosse armée pour vous buter. Oh, je me demande ce qui a pu se passer. Théo. Ah, elle est chou. C'est quand même une sacrée coïncidence, Sheldon. Hey, je suis pas comme ça, mon pote, et tu le sais très bien. Je suis venu te prévenir que le brasier de Diravelo se dirigeait vers toi. Quoi? Les hommes de Diravelo vont bientôt arriver pour neutraliser cette IOM et tuer Dima. Pourquoi choisir un camp, hein, Sheldon? Ok, tu peux faire ce que tu veux de cette information. On se revoit plus tard. Mon petit gars. Vous êtes prêts pour un peu d'action? Oh, c'est bien sympa, Rico, mais je suis pas branché celui-ci. Allez, Théo? Pas cette fois, Rico. Bonne chance. Dima, est-ce que l'IEM est prête? Oui. Théo a beaucoup de talent, il a tout stabilisé. Ça ira. Bien, charge-moi ça, on en aura besoin. Sur ce coup-là, on n'a pas le droit de perdre. Rico, je peux me battre. Mario, il faut vraiment que tu te ménages. Je peux combattre, mon frère. Dima est restée avec moi. Alors c'est mon tour. Prends soin de toi, mon frère. Sur l'épave.
tous les véhicules et retiendra les soldats. On détecte des parachutes en approche. C'est le moment d'y aller! J'ai pour remonter, va. Bah oui, je vois pas trop quand je pourrais buter. Il monte dessus. Mais pourquoi il monte pas? Des hélicoptères arrivent. Ils en ont après l'IEM. Des bâtiments de débarquement. Danger. Attention. Blindé au Bavarium détecté. Des blindés et des hélicos. Wow, je plaisante pas. Mais prêt.
la partie. On se débrouille très bien sans eux, hein, Véco. Le retour de Frégo et compagnie. Aïe. Véco, on a d'autres soldats qui s'amènent. Annika, bienvenue chez Frégo et compagnie. Sois pas jaloux, Rico, hein. Toi aussi, tu comptes sur... Deux fois que je te sauve les miches, Rodriguez. Merci, Annika. Oui, tout marche à merveille. Mario. Les couilles, moi j'adore. Comment dire à Vélo c'est qu'on est là? Parce que il est devin. Non, c'est Sheldon. Sheldon est devin? Mario, je me méfie de lui, il faut qu'on le teste. Dis à Sheldon qu'on va attaquer la centrale. C'est une très bonne idée. Ouais. Tu lances l'hameçon et on voit si Diravello mord. Oh. On te suit, Rico. Ouais, ça sera tout pour cet épisode. On se retrouve pour le prochain épisode. Très bientôt. Quant à moi, je vous laisse. Ciao.